Et cette remise d'attestation à plus de 200 élèves coraniques du centre de formation coranique à la Kamaton, cérémonie présidée par Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Fani. Vous savez, un pays ne peut pas réussir son développement si le pays ne réussit pas son éducation. L'éducation est contemporaine, l'éducation est spirituelle. Il faut nécessairement faire une combinaison de toute l'éducation de façon générale pour réussir le développement. Il y a un hadith authentique du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Le plus brave d'entre vous n'est pas celui en réalité qui prend les gens et qui les terrasse ou bien qui gagne les...